Salut à toutes et à tous, c'est Riveless pour la dernière partie de Crash Bandicoot 2. Alors, pourquoi la dernière? Ben, vu ce qu'il me reste à faire, juste ce niveau-là, le boss final, et vous montrer les deux fins. Bon, ça va peut-être être un peu long, mais... Ah oui, précédemment, j'avais fait le niveau 21, où j'ai galéré, mais j'ai réussi à fond, et niveau 23 aussi. Bon. Je commence fort. C'était pour vous montrer un truc pas sympa du tout. Pas sympa, ça dépend pour qui, comment. Alors là, comment vous dire ça? Si j'y arrive à sortir ce que je veux dire. Voilà. Le passage secret pour obtenir l'une des deux gemmes, c'est ça. Je vais y aller maintenant. À vrai dire, je vois pas pourquoi j'ai dégommé les caches auparavant, puisque franchement, il sera impossible de faire demi-tour. Ça, c'est marrant. Bon, allez, soyons sérieux un petit peu. Y aller. Et en fait, ben, pour tout vous dire, par là, c'est particulier comme passage secret. Ben, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous allez vite comprendre. Voilà. Ouh, je suis sur le bord. Ouh. Ah d'accord, il y a ça en plus là-bas. Là, je crois qu'il va revenir. Ouais, bah, je vais y aller là. Et en fait, bah voilà, il faut avoir toutes les gemmes de couleur pour pouvoir accéder à cette partie cachée du niveau. Non, il sera impossible. Non, c'est pas le bon moment. Là, ça va être bon. C'est aussi un très bon moyen de regagner des vies. Waouh! Il y a plein de vies qui flottent d'un air de dire ouais, bah pour les bougeux, c'est pas la peine. Normalement, partie finale. Voilà. Yeah! Nous y voilà! Enfin, c'est pas fini encore. Maintenant, je récupère ça et je vais me suicider. Allez, et avec le sourire. Cheese! Bon, allez, sérieusement, là, je fais le niveau correctement. Ouh! Je me fais peur. Tout seul. Voilà. Tu ne peux pas résister à ma puissance. Là, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Ouais, il y a quoi de spécial en haut? Juste des pommes. D'accord, oula. Ouh! J'ai eu chaud au cul. Allez, premier checkpoint. Ouf. Et là, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Aïe! Je pensais pas pouvoir frapper le nitro. Enfin, je pensais pas que ça toucherait. Enfin, que ça l'affecterait. Le nitro est mauvais pour la santé. Ok, j'arrêterai d'en fumer. Non, j'en bois sinon, j'imagine le gars. Oulala. Ah, t'as sûrement des... Silence! Bon.
Nouveau checkpoint. Ah, d'accord. Yeah! Boum! Ouf. Bon, allez, je fais le niveau bonus tout de suite. Alors, comme j'avais pu le constater, faut pas attendre que ça remonte là. Bon, là, il n'y a pas de retour en arrière qui tient. Non, non, pas en haut. Et voilà. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Voilà, et moi j'attends. Non, c'est, franchement, je me vois pas compter à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà rien que d'y penser, regardez Crash. Bon, là c'est bon. Et voilà. Tout en finesse, yes, yes. Bon allez, attends, je vais avoir un masque. Bon. Ouh. Ouf, je vais le laisser s'abaisser lui. Je n'ai plus le droit à l'erreur. Je commence bien, je voulais faire le malin. Bon, checkpoint. Yeah. Ouf, c'était chaud. Ah, faudrait pas qu'il manque une caisse parce que... Ce que j'ai décidé de faire, bon... On va attendre que ça remonte. Hop. Et voilà. 100%. Je vais quand même vous montrer Cortex comment on le désingue. Ah, vu le temps que j'ai mis, je pense pas avoir le temps de montrer les deux fins. Je suis pas sûr. Au pire, tant pis, je ferai une vidéo spéciale fin. Fin alternative. Donc, ouais. Et ouais! Tous les cristaux et toutes les gemmes. Bon, attention cinématique. Oui! Mon plan génial est presque achevé. Et c'est à toi, Crash Bandicoot, que je le dois. Engine, que se passe-t-il? Quoi? Est-il en train de nous voler la protection? Crash, Cortex n'a pas du tout l'intention d'utiliser les cristaux pour sauvegarder l'énergie de la Terre. Tu sais ce qu'il veut faire? Il compte s'en servir pour alimenter le super Cortex Vortex qu'il a construit sur sa station. Un seul balayage et tous les habitants de tous les mondes seront transformés en avortons, esclaves de Vortex. Crash, ne les laisse pas comparer les cristaux. Engine crétin lunaire. Elle lui raconte tout. Eh bien, nous sommes revenus. Désolé de cette interruption. Crash, où sont mes cristaux? Ah bon? Donc voilà, ça va morfler. Je vais te foutre... Je vais te foutre la misère, mec. Et tu vas tellement te prendre cher que tu vas morfler. Coucou. Yeah. Viens là, saleté. Tiens, in your ass. Merde, loupé. Aïe, aïe. Allez, fais pas le malin. Voilà. Yeah! Non! Tu auras de mes nouvelles, Crash Bandicoot! Et voilà. C'était bidon. Crash, à ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Cortex? Et le Super Cortex Vortex, il est où? Moi, je vais te le dire, il est toujours là-haut. Voilà.
Et ouais, je suis encore, même si on lui a foutu une grosse raclée au petit nain jaune qui a tendance à avoir la grosse tête. Et ah, j'adore le petit nœud, petit dog sur le bout du vaisseau. Enfin bref, son cortex vortex est toujours actif et normalement, la quête suivante c'était récupérer les gemmes. Mais bon, je l'ai déjà fait. Et normalement, après la cinématique, enfin après le générique de fin, il devrait y avoir Brio qui nous dit, enfin, qui devrait apparaître pour nous dire c'est bon, t'as toutes les gemmes, on va pouvoir foutre le bordel, on va pouvoir faire une fête et tout. Enfin voilà, façon de parler bien sûr. Hein, sinon, je raconte la fin avant même qu'elle se produise. Parce que cette fin-là n'est pas la vraie fin, contrairement au précédent Crash Bandicoot où t'avais deux fins et que bon. Globalement, c'était la fin normale qui était la bonne. Là, non. Là, la bonne fin, c'est lorsque j'ai toujours tendance à tutoyer le public, c'est dingue. Quand vous avez toutes les gemmes, bah voilà, c'est la vraie fin. Et je vous dis pas pourquoi. je dis rien, enfin. Mais tant qu'on y est, là, tant que j'y pense, ça vous dirait quoi comme prochain jeu? Parce que j'ai fait Crash Bandicoot 1, j'ai fait Crash Bandicoot 2, enfin, c'est bientôt fini quoi. Et donc la question que je me posais, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir comme jeu? Enfin bon, dans la limite de mes stocks disponibles, évidemment. Je vais pas vous faire un jeu que je n'ai pas. Ça tombe sous le sens. Par exemple, j'ai des Devil May Cry. Metal Gear Solid, bon, enfin je le fais déjà avec des potes, on commente à 3, donc c'est un peu le bordel. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo sur le compte de No Nation. Ouais, je me gêne pas pour faire un petit peu de pub, enfin bref. Sinon j'ai aussi Kingdom Hearts, qu'est-ce que j'ai comme jeu que je pourrais faire? Dark Cloud, Dark Chronicle, Disgaea 2, Ratchet & Clank, Jack & Daxter, enfin voilà. J'ai toutes sortes de jeux, je vous ferai une petite liste. Ah, et attention, est-ce qu'il y a une cinématique ou pas? Oui. C'est qu'il est bien foutu le jeu. Tu as trouvé tous les diamants! Oh, c'est incroyable! Mais les cristaux ne sont pas les seuls moyens de recycler l'énergie planétaire! Non, les diamants sont tout aussi puissants! Grâce à eux, je peux détruire le super cortex vortex à tout jamais! Je vais te téléporter jusqu'à mon laser. Et zou! Accroche-moi! Voilà, donc il y a lui qui pète une durite. Je vais sauvegarder, parce que je ne sais plus si ça renvoie directement. J'aurais un peu les boules. Je vais quand même sauvegarder de cette preuve du jeu que j'ai fini à 100% ici. Et je m'empresse donc de vous montrer la deuxième fin de suite. Voilà. Et maintenant, lumière. Donc voilà, j'ai coupé ici, maintenant que vous avez vu la vraie fin. Ça sert à rien de vous montrer deuxième fois le générique de fin, ce qui sert strictement à rien. Et j'ai dit ce que je voulais dire, donc je ferai une liste des jeux que je prévois de faire. Même avant que vous ayez cette vidéo, je vous ferai une liste. En fonction des votes qu'il y aura, ben, je ferai le jeu qui aura le plus de votes et je le ferai par le biais de ce vote. Puis voilà, je tiens à vous remercier, vous, spectateurs et internautes, qui m'avez regardé durant tout ce walkthrough, avez assisté à mes fails, à mes moments de talent et tout. Bon, enfin bref, je vais vous laisser donc là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux walkthroughs. Merci d'avoir regardé encore une fois.
puis à la prochaine. Salut!